Vous souhaitez réaliser un gâteau aux fruits avec un biscuit original? Alors que diriez-vous de réaliser un biscuit citron? Avant de commencer cette recette, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous êtes sur YouTube, à activer la petite cloche qui vous permettra d'être informé directement de la parution d'une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée aux biscuits classiques que l'on peut utiliser pour préparer des gâteaux ou des entremets. Pour ce biscuit citron, j'ai besoin de 50 g d'œufs, de 80 g de sucre semoule, de 40 g de crème épaisse, de 20 g d'huile d'olive, de 60 g de farine, de 20 g de beurre, le beurre sera utilisé uniquement pour beurrer le moule, d'1 g de levure chimique et enfin du zeste d'un citron jaune non traité. Je vais blanchir l'œuf avec le sucre semoule et le zeste de citron jaune jusqu'à ce qu'il double de volume. Alors vous pouvez vous servir de votre batteur ou alors d'utiliser votre robot. Maintenant moi ici je n'ai pas utilisé le robot parce qu'il n'y a pas assez de matière pour mettre dans la cuve. J'incorpore maintenant la crème. Je mélange. J'ajoute enfin la farine tamisée. La levure et enfin l'huile d'olive. Voilà, l'appareil est prêt. Je vais pouvoir l'étaler dans un moule circulaire de 18 cm de diamètre que j'ai préalablement beurré. J'ai également placé dans le fond une feuille de papier cuisson, tout simplement pour éviter que ça ne colle. La préparation est bien étalée. Je vais l'enfourner maintenant à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. Le biscuit doit sortir du four bien doré. Après avoir passé 12 minutes au four, le biscuit citron est cuit, il est bien doré, il est moelleux à souhait. Il ne reste plus qu'à le déguster ou à l'utiliser pour préparer un gâteau. Et bien voilà, cette vidéo sur le biscuit citron est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner sur les chaînes Facebook, YouTube et Instagram. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.